De nos jours, peu d'enfants ont la chance de jouer et d'apprendre dans un milieu naturel. Le camp des enquêteurs des écosystèmes très primés de Parks Canada donne justement cette chance. Nous invitons des étudiants de tout le sud de l'Alberta à venir passer 2 nuits et 3 jours au Parc national des lacs Waterton pour en apprendre davantage sur la santé des écosystèmes. Pour un enfant de la ville, une sortie en milieu sauvage n'est souvent qu'un rêve. Nous amenons nos jeunes en randonnée à travers la prairie et dans les montagnes. Certains d'entre eux ont même parfois la chance d'apercevoir des espèces comme l'orignal, le loup et le cougar. Mais ensemble, nous découvrons aussi d'autres espèces, des espèces en péril, comme le papillon porte-queue demi-lune, dont l'habitat est menacé par la centaurée. Pour que les jeunes apprennent à contribuer à la santé des écosystèmes, nous allons arracher des plants de centaurée avec eux sur le cône du Black Esteem. Nous rencontrons nos voisins les pieds noirs qui nous racontent comment ils incendiaient la prairie pour laisser pousser l'herbe verte qui attirait les bisons. Le camp des enquêteurs des écosystèmes de Waterton a tellement à offrir aux étudiants.